retrouve aujourd'hui pour vous faire une vidéo produit terminé, je rachète ou pas, et éventuellement si j'ai le produit sous la main, par quoi je les remplace. Alors je vais commencer par les produits de ma fille, oui parce que oui j'ai envie d'intégrer les produits de ma fille, surtout, enfin ce sera plus des produits douche, cheveux, etc. Parce qu'il y a des choses que je lui rachète à chaque fois, ce sont des produits auxquels j'ai très confiance, et puis il y a d'autres produits que j'ai testé entre guillemets sur elle, mais bon, enfin voilà, ce sont des choses qui lui sont appropriées, hein, il n'y a pas de... Alors, je lui ai... Alors normalement ça c'était une chose qui était à moi, mais alors moi ça me faisait tomber les cheveux, sur elle il n'y a pas eu de problème, ça lui démêlait très bien les cheveux, c'était super. C'est le de chez L'Oréal Professionnel, le Absolute Repair Cellular. Donc le jaune comme ça, qui est censé être un soin réparateur cellulaire cheveux très abîmés. Et ben moi, il me faisait tomber les cheveux et il traînait dans la salle de bain et je ne l'utilisais pas. Et du coup, je l'ai testé sur ma fille, j'en ai mis un tout petit peu pour vérifier. Et donc sur elle, ça marchait, en plus il en reste, mince. Sur elle, ça a très très bien fonctionné, ça a enlevé tous les nœuds, ça lui a pas fait tomber les cheveux, vraiment. Rien à dire sur elle. Après sur moi, la galère. Mais je ne le rachèterai pas parce que ça s'achète enfin chez le coiffeur et je l'ai payé très cher pour ce que ça m'a fait. Ensuite, un classique que je lui achète, c'est le Ultra Doux Enfant Shampoing 2 en 1. Donc à l'abricot et fleur de coton de chez Ultra Doux. Celui à l'abricot, je l'adore celui-ci. Il sent tellement bon, j'adore ce truc. Moi j'ai mes souvenirs chez ma grand-mère quand on prenait la douche, elle achetait systématiquement celui-ci. J'adorais ce shampoing. Oh là là, qu'est-ce qu'il sent bon. Il mousse super bien, il fait de la mousse un peu crémeuse, chantilly, enfin vous voyez le truc. Et il sent bon, oh j'adore, j'adore. Ne pique pas les yeux, je sais pas, elle aime tellement pas qu'elle... comme ça. Évite les nœuds, élimine les nœuds. Ouais bof quand même, hein, y a mieux. J'utilise souvent un autre truc derrière hein, parce que c'est pas terrible. Ensuite, donc ma fille est blonde et donc je lui ai acheté un shampoing pour cheveux blonds donc de chez Nectar of Nature, donc les cosmétiques de chez Carrefour. Donc shampoing illuminant à la camomille et aux germes de blé. J'avais acheté l'après-shampoing, je ne sais pas où je l'ai mis, mais bon. Alors l'odeur, bof, un moyen, mais voilà, c'est un shampoing. Ouais, enfin bof. C'est un shampoing, je pourrais le racheter parce que. Mais plutôt l'après-shampoing. L'après-shampoing aidait drôlement à enlever les nœuds. Et en dernier, donc pour ma fille, hein, c'est un gel bain douche de la marque Hello Kitty en gros bidon de 1 litre qui sentait la framboise. Et donc j'ai acheté ça chez Carrefour. Oui, chez Carrefour. Et je ne pense pas, enfin je sais pas, si je repasse dans le Carrefour et qu'il y ait, je pourrais éventuellement le racheter. Mais voilà, c'est juste un gel douche banal, basique, sans. Enfin voilà, il n'y a rien eu de... Mais par contre, ce que je pense, c'est garder le bidon. Il y a pompe et enfin, je le trouve vachement pratique. Voilà, donc je pense le garder, je sais pas ce que je vais mettre dedans, mais je pense vraiment le garder. Par contre, ça sentait très très bon. Ensuite, on va passer pour moi quand même, oui, parce que... Hein... Alors, j'ai fini un truc de maquillage, j'ai fini ma HD Makeup Forever, donc ma poudre HD de chez Makeup Forever, comme je viens de dire, que je rachète à chaque fois, de toute façon, j'en ai besoin, donc je la rachète. Et je la remplace en ce moment par la poudre lip de chez Je Mets, que j'aime énormément. Ensuite, passer au démaquillant. J'ai fini le démaquillant yeux 2 en 1 de chez Je Mets Maybelline, le cils des masques, qui est génial. J'ai mis énormément de temps à le tester. Je l'avais dans mon placard et puis bah, j'en avais tellement d'avance que j'ai mis énormément de temps à le tester. Mais je l'aime énormément. Il est très très bien. Il pique pas les yeux. Il enlève très bien le maquillage waterproof. Franchement, nickel. Ensuite, j'ai utilisé un masque de chez H&M. Donc, c'est celui à la framboise. Donc je crois qu'il n'y a pas que de la framboise, framboise, mangue, abricot, pêche et grenade. Bon alors le masque en lui-même est très très bien, mais alors l'odeur est à gerber. J'adore la framboise, mais le mélange, franchement ça sent le yaourt, c'est une texture de yaourt déjà.
C'est agréable comme texture, c'est assez bizarre, c'est rigolo. Mais je sais pas, l'odeur, pas du tout, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Hein. Là, ça sent plus rien, évidemment. Ça fait un moment que je l'ai utilisé. Hein. Si ça sent encore, je peux pas. Hein. Franchement, ça sent pas bon. Alors, je l'ai utilisé, je l'ai laissé poser et tout. Au niveau de l'efficacité, alors ils disent qu'il est censé désobstruer les pores bouchés et laisser la peau fraîche. Oui, oh oui, 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 oh, c'est un petit masque comme ça, voilà. Alors je ne le rachèterai pas, mais j'en ai encore deux que je vais sûrement donner parce que je n'ai pas, enfin voilà, l'odeur, j'ai du mal. J'ai terminé des lingettes de chez Biocura, donc Biocura c'est la marque d'Aldi. Donc soins de visage, lingettes démaquillantes douces pour le visage et les yeux à l'extrait d'aloe vera. Alors ce sont des lingettes qui sentent extrêmement bon déjà. Ensuite, moi j'achète des lingettes surtout quand je me maquille pour m'essuyer les mains, quand je fais des swatchs, etc. Parce que mes yeux ne supportent pas les lingettes. Après, quand je l'utilisais pour démaquiller le visage, c'est vrai qu'elles étaient vraiment pas mal. Franchement, vraiment pas mal. Je pourrais les racheter, oui. Franchement, oui. Ensuite, j'ai terminé mon déo de chez Narta, donc celui que je kiffe, là, le Protection 5. Je compte bien le racheter, je l'adore. Mais là j'ai décidé de... J'avais décidé de changer, d'en acheter un autre. J'ai acheté de celui de chez Mon Savon au lait, donc lait et coton. Moyen, j'aime moins. Parce que franchement je suis tellement habituée, tellement j'adore celui-là que voilà. Donc je vais le racheter. Je vais vraiment essayer de le racheter. Ensuite, toujours pour les cheveux, j'ai terminé mon Brit, enfin mon shampoing sec Brit de chez Baptiste, que j'ai déjà racheté. Et que je rachèterai, voilà, c'est mon préféré dans tout ce que j'ai testé, je commence à en avoir pas mal. Le blush, l'original, le XXL, là je viens d'acheter le dark brunette. Le blond je ne pourrai jamais l'acheter, hein. Je pense le tester sur ma fille, voilà. Mais franchement pour l'instant mon préféré c'est le Brit quoi, et je l'ai déjà acheté évidemment. Ensuite, me suis mise à acheter des gels lavants pour les mains pour mettre dans la cuisine. C'est vrai que j'en achetais. Pendant un temps, j'en achetais, mais on les utilisait quasiment pas. Mais c'est parce qu'on les mettait dans la salle de bain. Et là, je me suis rendu compte que dans la cuisine, bah, je les utilisais beaucoup plus. Voilà. Donc, j'avais acheté le petit Marseillais, le hypoallergénique aloe vera et tilleul, qui sent plutôt bon, je trouve. C'est une odeur de propre quoi, ça sent vraiment enfin voilà, il n'y a pas d'odeur de fruits, de fleurs, de trucs. C'est une odeur un peu neutre, voilà. Aloe vera et tilleul quoi, c'est très léger quoi, mais ça sent très très bon. Il est très très bien, il laisse les mains plutôt douces, mais bon après c'est un gel lavant pour les mains. Je pourrais le racheter, mais là j'ai acheté le Dove. J'adore Dove, j'adore l'odeur de Dove, franchement. Ensuite, j'ai terminé le gel douche gommante de chez Triacle Moon que j'adore, donc à la framboise. Je le rachèterai bien évidemment, mais là j'en ai quelques-uns à terminer. J'en ai eu un dans un swap. J'ai celui à la noix de coco, enfin, et grains de sable là de chez Ushuaia. J'ai. Enfin voilà, j'en ai plusieurs à terminer. En ce moment, j'utilise celui de chez Ushuaia que j'aime énormément. Et j'en ai un de chez Alexis que j'avais acheté chez Tati qui sent le bonbon au coca, qui sent, c'est vraiment une dinguerie. Mais celui-ci je le rachèterai, hein, c'est sûr. Et en dernier, j'ai terminé de chez Mon Savon au lait, le lait. Attendez que je dise pas, le Mon Savon au lait, donc le lait kiwi et pamplemousse, donc le gel douche lait kiwi et pamplemousse, qui sent trop trop bon. Attendez, parce que la dernière fois que j'ai fait ça, je me suis fait. Voilà, si j'avais senti. Je me serais fait agresser par du gel douche. Ce packaging qui est pas du tout fait pour qu'on sente en fait. Ouais, il sent super bon, il sent le frais, les agrumes. Franchement, il est génial celui-ci. Allez au moins le sentir avec son copain, fruit de la passion, framboise je crois. C'est des dingueries. Donc je le rachèterai, je crois même que je l'ai déjà racheté. Donc voilà pour mes petits produits finis, j'en avais pas des millions, des milliards, mais bon je trouve que c'est mieux de faire en vidéo un petit peu plus courte. Les filles, je vais vous faire des bisous et je vais vous dire à la prochaine vidéo. Bye bye.